Le seul à emmener des stagiaires à Bangkok. Depuis 2 ou 3 ans, venir s'entraîner et boxer en Thaïlande est devenu un must pour nombre de sportifs occidentaux. Les camps d'entraînement comme celui de Narongpad, autrefois réservés aux seuls Thaïlandais qui rêvent grâce à la boxe de devenir des stars riches et adulées, reçoivent de plus en plus la visite de sportifs étrangers. 6 heures de boxe par jour, avec la chaleur et l'humidité d'un pays tropical, ces stages qui durent généralement plusieurs semaines transforment pour chaque participant le sens du mot effort. En Thaïlande, dans les camps, dès qu'ils voient un Européen qui vient s'entraîner, ils attendent, avec l'œil curieux, pour voir si pour eux il vaut quelque chose. Ils sont assez sévères, ils sont fiers, quoi. C'est leur sport, c'est pas mal. Hein. Donc c'est pour ça, dans les camps, c'est rare que tu arrives dans des camps où ils dévoilent tout. C'est plus toi, avec ton œil, avec tes yeux, que tu regardes, qui te vit. Comme le petit là, qui s'entraîne. Regardez Sébastien, comment il le regarde. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on voit, parce que c'est pas eux qui vont nous le dire. Tu comprends le Thaïlandais alors maintenant? Je comprends, ouais. À force de venir en Thaïlande. Tu les pièges souvent comme ouais, ça, voilà. C'est bien. Pour les gens qui ne savent pas respirer, on les fait crier en même temps. On se vide complètement pour bien reprendre du souffle. Un roule comme ça, si je le fais sans crier, je ne tiendrai pas. En le faisant en criant, on récupère mieux, on prend mieux sa respiration. Voilà, c'est bien. Tourne le genou tout de suite. Voilà. Voilà, tire sur son cou. 1, 2, 3, des petites séries, ça va lui faire mal. Voilà. Genou. Maintenant, bloque avec ta jambe et tourne-le du même sens. Pas à l'intérieur, sur le côté. Non, sur le côté. Bloque ta jambe, voilà, et tourne-le. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais là, il sait ce que tu vas faire. Garde le sourire, toi aussi. Hein. Garde le sourire, voilà. Je pensais qu'il allait être plus baladé par le petit Thaïlandais, là. Mais ça va, et c'est lui qu'on demande. D'ailleurs, le Thaï, il avait arrêté, c'est lui qui a recommencé. Tu lui as dit, allez, on recommence. Tiens bien le coup, hein. C'est bien, ouais. C'est bien, il m'a surpris, là. C'est bien, il en veut. Il est pas venu pour rien, il le sait. Qu'est-ce que tu penses de moi en boxe thaï? Bien tendre tes bras, complètement, parce que tu dois travailler comme ça, toi. Et lui, il dit bien tendre, complètement. Tu vas rentrer au Lumpini, mon gars. Le noyau de la boxe thaïlandaise. Nounou, Sébastien, tu sais pourquoi on met un mongkong sur la tête? Le mongkong représente le camp où le boxeur s'entraîne. Et il porte justement ça pour faire la prière, ce qu'on appelle en thaïlandais le ramoué, pour chasser les mauvais esprits. La boxe thaïlandaise ici, c'est aussi le moyen de gagner ou de perdre beaucoup d'argent. Bien plus encore que pour les courses de chevaux, on vient au stade pour parier. Bétard Hadj, qui est un organisateur de matchs en France et en Thaïlande, connaît bien les parieurs. Ils parient avec leurs mains. Avec des gestes de la main. Ils vont indiquer le point bleu ou le point rouge. Il va chercher le parieur et dès qu'ils se sont mis d'accord, avec des gestes de la main, ils vont se mettre d'accord sur la cote et sur la somme. Voilà, tac, ils se sont trouvés. Ils se sont mis d'accord. 3 contre 1. Mais de temps en temps, au cours du combat, les paris arrêtent et ils observent les boxeurs pour pouvoir relancer une nouvelle cote. Et il arrive même dans des grands stadiums comme le Lumpini ou le Raja Damdon, à la fin du 5e round, on parie encore, avant la décision. Il y a de grosses sommes de jouer. Il y a de très très grosses sommes en jeu.
n'y a jamais de mauvais payeurs. Si, il y en a quelques-uns, mais c'est rare. Les mauvais payeurs sont tout de suite catalogués et mis en photo devant l'entrée des stadiums. Ils ne peuvent plus jamais entrer dans le stadium. Non, ils sont interdits d'entrer. Ce sont deux pour le masser, avec du produit chauffant, qui mélange avec de la vaseline, justement pour faire glisser. T'as vu ? De façon à ne pas se faire bloquer au corps à corps. Maintenant, ils contrôlent les bandages des boxeurs parce que... Il y a longtemps, les boxeurs se permettaient de mettre des barres de fer dans les gants. Depuis maintenant, il y a des contrôles des bandages. Et partout, hein, au Japon, en France, partout maintenant. Chaque coup porté avec les poings, les pieds, les genoux ou les coudes seront soigneusement comptabilisés par les trois juges qui désigneront le vainqueur à l'aide de ce décompte. En boxe thaïlandaise, l'effort est beaucoup plus court qu'en boxe anglaise, 5 reprises de 3 minutes seulement, mais beaucoup plus intense. Ça va ?